Ça, tu viens à un moment donné, il faut mettre sur ton cou. C'est bon, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons démarrer donc la conférence dans quelques temps en connexion avec nos amis de Afrique Média. Donc, voilà, connectez-vous dans quelques minutes, c'est parti. Nous sommes déjà en direct sur Afrique Média. Hein. Donc c'est bon là. Dès qu'on nous lance, tout de suite on est parti.
référendum inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de la Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élection pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir. Ses partisans tirent. Il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les villes d'Abidjan hier. C'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'ils occupent, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des. Après donc 4 mois de lutte acharnée, le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo a été arrêté par les forces pro-Ouattara, appuyé bien sûr par la France. Et l'ONU dans une ambiance qui lui sera tout simplement décrite dans le cadre de cette édition spéciale. Car nous nous rappelons aujourd'hui en avril 2020, que cela fait exactement 9 ans, puisque c'était le 11 avril 2011 que le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo a donc été arrêté à l'issue d'une attaque sur sa résidence à Abidjan des forces de son rival Alassane Dramane Ouattara. Appuyé ainsi par les moyens aériens et blindés des forces françaises et de la mission des Nations Unies, qui mettait ainsi fin donc à 4 mois de crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'après une offensive foudroyante des forces républicaines, justement, qui ont débuté en mars et ont repris en une semaine le contrôle du pays, notamment appuyé par les forces françaises. La bataille donc qui faisait rage depuis voilà bientôt 12 jours à Abidjan. Les forces de Laurent Gbagbo faisaient également preuve d'une très forte résistance acharnée pour protéger le président sortant, retranché dans sa résidence à Kokodi, au nord de la ville. Mais depuis donc le dimanche après-midi, avec bien évidemment l'aide de la France, les hélicoptères de l'ONU également, ils ont mené des frappes intenses sur la résidence présidentielle et sur la présidence dans le quartier administratif du plateau. Rappelons justement que Gbagbo était donc jusque-là, depuis 2000, le président justement de la Côte d'Ivoire. Il s'est donc finalement rendu lundi vers 13h accompagné de son épouse, ce lundi-là justement, lundi 11 avril, accompagné de Simone Gbagbo, considéré justement à ce moment-là comme dur du régime, mais également son fils aîné, Michel Gbagbo, et bien évidemment à leur côté, plusieurs membres de la famille, du personnel, qui jusque-là étaient au service du président Laurent Gbagbo. 9 ans après, nous revenons justement sur les faits de cette arrestation, nous revenons. Du grade HAP et 5e vice-président de CDS.
Bonsoir à tous. Nous attendons le signal de nos amis de Afrique Média. Nos amis d'Afrique Média, c'est bon? Merci, merci nos amis de Ovadjab, merci. Nous attendons le signal de nos amis de Afrique Média d'un moment à l'autre, dans une à deux minutes, c'est parti. On a un problème de son, visiblement, et donc on attend d'un moment à l'autre. Sinon, l'émission, les images sont en direct, et donc voilà, je pense que le son est en train de revenir.
il faut le rappeler, l'UT était justement ces forces étrangères, la résistance. Sur les faits de cette arrestation, mais nous savons que le président. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média. Je voudrais profiter pour saluer les compatriotes ivoiriens, africains, qui sont branchés également sur cette chaîne de médias en ligne qu'on appelle Ovadjab. Je voudrais saluer le directeur et responsable de Afrique Média pour sa grande contribution à la démocratisation de l'Afrique, à la cohésion, à l'unité, à l'émancipation de l'Afrique. Je voudrais saluer ce média, l'Afrique Média. Je voudrais saluer tous les techniciens et saluer tous les responsables, saluer le responsable de la programmation, saluer vous-même, chère madame, journaliste, qui se soit sacrifié de votre temps pour nous permettre de faire un point d'honneur sur le 11 avril 2011. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes bien aujourd'hui le 11 avril 2011, 2020, de 2011 à 2020, cela fait 9 ans. 9 ans jour pour jour. Et l'actualité aujourd'hui, c'est le coronavirus. Et le monde entier est confiné. Nous sommes tous confinés. Mais il y a 9 ans, jour pour jour, ce n'était pas le coronavirus qui était à l'ordre du jour. Il y a 9 ans, ce qui était à l'ordre du jour, sur toutes les chaînes de télévision du monde entier, c'était l'image d'un président de la République, une République qui a eu son indépendance, un pays qui a eu son indépendance le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire. Celui qui incarne ce pays
a été présenté sur les médias du monde entier. Le torse nu, maltraité par des badauds, par des soldats qui l'ont traîné de la résidence présidentielle jusqu'à l'hôtel du Golfe. C'était le 11 avril 2011, aux environs de 11h midi. Toute la planète était braquée, focalisée sur ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo. Et tout Ivoirien et tout Africain s'est senti blessé dans sa chair parce qu'on nous a bafoués, on nous a humiliés. Le président de notre pays, présenté comme cela à la face du monde. Donc, le coronavirus tue. Il nous a tous confinés aujourd'hui. Mais le virus de l'impérialisme, le virus de l'impérialisme français, le virus de la France-Afrique a tué dans mon pays. Et quand on fait le bilan des personnes qui ont péri à cause de cette guerre que la France a pilotée dans la Côte d'Ivoire, on nous dit officiellement qu'il y a eu 3000 morts. Mais en réalité, les chiffres varient entre 15 000 et 16 000. Et ce n'est pas Dr Boga qui invente les chiffres. Je prends pour référence la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a été mise en place par M. Ouattara au moment où il était tout puissant, l'homme fort, investi par la communauté internationale. Et il a confié cette commission-là à M. Charles Konan Bali, l'ancien gouverneur de la BCAO. C'est lui qui a piloté cette commission. Et le rapport final de cette commission d'enquête n'a pas été diffusé par M. Ouattara parce que les chiffres étaient énormes. Et les forces de M. Ouattara étaient accablées. Cette image du président Laurent Gbagbo montrée à la face de la planète comme un vulgaire bandit, on lui dit un dictateur, un criminel. Cette image-là rappelle une autre image. Quelques années en arrière, je vous ramène au 30 décembre 2006, l'image de Saddam Hussein, le président de l'Irak, qui est présenté à la face du monde comme un bandit. Et nous étions le 30 décembre, ça veut dire qu'en fin d'année. Et cette journée-là coïncidait avec la plus grande fête musulmane, la Tabaski, en tout cas dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et à 11h et midi, quand on allumait les télévisions, c'était pour voir la tête de Saddam Hussein avec une corde au cou. On s'apprêtait à pendre le président de la République. Mais quand on pense à Saddam Hussein, plusieurs années après, on va se rendre compte que c'est sur la base des mensonges. George Bush a menti. Ce président américain avait dit que Saddam Hussein préparait des bombes de destruction massive. Et il n'en a rien été. Et on a détruit un président, on a détruit un pays. La conséquence, c'est quoi? L'Irak est irrécupérable aujourd'hui. On a tué Saddam Hussein le 30 décembre 2006. L'Irak est foutu jusqu'à aujourd'hui. On cherche la paix. L'image du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 rappelle encore une autre image. Je vous ramène dans la même année de 2011, je vous ramène en octobre, le 20 décembre 2011. C'est le président Muammar Kadhafi, là-bas en Libye, qu'on a sorti comme d'un trou de rat. Le grand Muammar Kadhafi, le guide libyen. Et on l'a assassiné, pratiquement en direct. Depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi, la Libye est foutue. Et la Libye est devenue aujourd'hui le réservoir du terrorisme, du banditisme et de l'esclavage des fils d'Afrique. Des Ivoiriens sont vendus, des Camerounais sont vendus, des Sénégalais vendus en Libye. Parce que l'Occident a décidé que Muammar Kadhafi était un dictateur. Alors question, qui décrète les décrets des dictateurs? Qui décide que tel dictateur, tel ne l'est pas? Le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011. Et dans les circonstances, et lui-même il explique, parce que bon, les autres n'aiment pas souvent lire. Le président Laurent Gbagbo a parlé à travers un journaliste qui a écrit un livre, François Mattei. Le livre s'appelle « Pour la vérité et la justice ». Le président Laurent Gbagbo a décrit les circonstances où l'armée française a encerclé toute la résidence. Ils ont fait tout. Et ce sont les premiers mots du président Laurent Gbagbo qu'il a prononcé le 5 décembre 2011. Sa première prise de parole.
La France a fait le job. Oui, la France a fait le job. Ils ont encerclé la résidence. Et puis, ils ont laissé simplement les forces pro-Ouattara, un peu comme des badauds, pour aller prendre le président. Et en même temps, ils ont posté toutes les caméras françaises, européennes, occidentales, de sorte que ça fasse écho. Nicolas Sarkozy a décidé que le président Laurent Gbagbo doit payer, il doit périr. Et il en a été ainsi. Mesdames et messieurs, nous sommes tous confinés et j'ai voulu aujourd'hui, grâce à Afrique Média, grâce à Ovadjab, revenir sur ces faits. Parce que ces faits ne doivent pas rester comme une lettre morte, comme des dates passées. Non, c'est une date historique pour nous. Parce que ce 11 avril 2011, c'était un peu la mort de la démocratie dans notre pays. C'est même plus, c'est la tête à notre souveraineté, la souveraineté nationale, la souveraineté ivoirienne. C'est pour cela, et je reviendrai là-dessus dans la conclusion, mon vœu le plus cher, c'est qu'à la fin de cette année 2020, lorsque M. Ouattara s'en ira avec son RHDP, quand ils s'en iront, je voudrais que l'on profite. Et je pense que je serai de ceux-là qui introduiront une requête auprès de nouveaux dirigeants de la Côte d'Ivoire, de la nouvelle génération, de sorte que le 11 avril soit décrété journée nationale pour la souveraineté en Côte d'Ivoire. Parce que notre souveraineté a été bafouée. Parce que la France nous a fait payer au plus cher parce que nous avons défendu notre patrie. Mesdames et messieurs, ce 11 avril, là, et ils pensaient qu'ils ont pris un vulgaire bandit. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est qui? Le président Laurent Gbagbo, je ne le connais pas plus que les autres. Je ne suis pas un militant du FPI, je ne suis même pas de son parti. Je ne le connais pas, je ne l'ai rencontré simplement qu'en 2007. Je vais peut-être en parler si l'occasion m'est donnée. Mais c'est quelqu'un qui a métamorphosé notre pays. Les gens pensent que pour pouvoir marquer son temps, il faut faire des ponts, il faut faire des routes. Thomas Sankara a fait combien de ponts? Nelson Mandela a fait combien de routes? Patrice Lumumba a fait combien de routes, combien de ponts? Et pourtant, ce sont des noms qui resteront. Autrement dit, je vous invite à comparer à Laurent Gbagbo et puis M. Alassane Ouattara. Ils ne sont pas comparables. Parce que les gens pensent que la valeur d'un homme, ce sont ses comptes. À la banque, c'est le nombre de milliards. Non. La valeur d'un homme, c'est qu'est-ce que tu apportes à l'humanité quand tu pars. Les grands hommes qu'on a étudiés, nous qui avons fait la littérature occidentale française, que j'enseigne à l'université, ils n'ont pas été des milliardaires, mais c'était des cerveaux. Laurent Gbagbo était un homme politique de valeur. Il a métamorphosé notre pays. Lorsque notre pays a connu le multipartisme en 90, c'est ce monsieur-là qui s'est donné pour que la démocratie soit. Et aujourd'hui, même là, jusqu'à ce qu'on le prenne, ce 11 avril-là, il donne un exemple incroyable de dignité et de valeur. Lorsque tout le monde entier l'appelle pour dire « Mais démissionnez, sinon vous allez mourir !» Il dit « J'ai été élu par des Ivoiriens. J'ai été élu par mon peuple. Si vous voulez me tuer pour cela, allez-y. » Et il est resté dans la résidence. Et j'ai eu l'occasion de préfacer un livre d'une compatriote. Je vais la citer ici, Marie-Claude Boly, qui a écrit dans le bunker avec le président Laurent Gbagbo. Parce qu'elle se trouvait dans cette résidence-là. De même que Mme Brogrebé, la ministre Brogrebé. De même qu'un cher ami que j'ai perdu aussi, le ministre Jean-Jacques Béchiot. Nous avons perdu tellement d'hommes. Que dire de Désiré Tagro, paix à son âme. La France nous a fait payer au plus cher. C'est pour cela que j'ai accepté d'animer cette conférence. Et dans les trois points que j'ai prévus, pour aller très vite, pour prendre les questions, c'est que dans un premier temps, je vais expliquer à tout le monde ce qu'il faut entendre par coup d'État. Parce que le sujet, tel que je l'ai intitulé, tel que nous l'avons intitulé, c'est de dire le coup d'État de la France contre la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Donc il faut que j'explique c'est quoi un coup d'État. Très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par démocratie, droit de l'homme? Ça, c'est la première chose que je vais faire d'entrée de jeu. Et deuxièmement, je vais sortir point par point les éléments, les manœuvres de Nicolas Sarkozy pour aboutir au coup d'État. Depuis la rébellion jusqu'à ce qu'on arrive le 11 avril 2011 et même après. Et puis dans un troisième temps, je dirais qui sont en dehors de la France, en plus de la France, qui sont les autres coupables de ce coup d'État? Qui sont les responsables de ce coup d'État? Et on aura tout compris. Mais je voudrais
Après avoir salué Afrique Média, après avoir salué Ovadia, je voudrais donc profiter de cette parenthèse-là pour rendre un hommage et pour dire un mot quand même sur le corona, puisque c'est dans le coronavirus que nous sommes. Et je voulais dire deux petites choses là-dessus. L'hommage que je suis en train de rendre, je pense qu'il revient au président Laurent Gbagbo et à son épouse Simone Evie Gbagbo, des personnalités qui se sont données pour que notre pays aille de l'avant d'un point de vue démocratique. Je voudrais saluer aussi tous mes collaborateurs et amis qui sont en France. Le président Néant Mathias de la FIDOP en France. Je voudrais saluer le président de Grande Afrique aux États-Unis, M. Laurent Adjei. Et je voudrais saluer surtout les compatriotes qui sont en Belgique. Parce que, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez, je suis en Belgique aujourd'hui. Parce que j'étais en train de partir en voyage pour les États-Unis et avec le coronavirus, j'ai été bloqué dans le confinement ici en Belgique. Après avoir passé quelques temps à l'hôtel, ce sont les compatriotes ivoiriens qui se sont mobilisés et qui m'ont accueilli. Et ce sont eux qui s'organisent pour m'envoyer à manger chaque 2 jours, chaque 3 jours. Je voudrais saluer ces compatriotes-là, que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai connus dans la résistance en France, aux États-Unis, partout en Europe, à cause du président Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer mon ami et frère, le président de la POIB, la plateforme des organisations ivoiriennes du Benelux. En tout cas, ça salue, cher ami Tapé Grobira. Je voudrais saluer ces grandes dames, Madame Daligou, Madame Dagou. Je voudrais saluer le couple Bosson, Guy et son épouse Angela. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci pour tous les soutiens. Merci au doyen Kokolo. Je lui dis condoléances. Il a perdu son frère dans le coronavirus. Je voulais saluer ces amis-là, saluer tous ces compatriotes-là. Vous savez, le mot que je voulais dire sur le coronavirus. Je voulais dire un mot sur le coronavirus avant de bondir sur les 3 points que je vais analyser très vite. La parenthèse que je fais est liée avec le sujet que nous traitons. Nous parlons de démocratie, nous parlons de droits de l'homme, mais nous parlons de la présidence de la République. Vous savez que j'ai écrit ce livre. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? C'est quoi un président de la République? Qui est le président de la République? Où on voit l'image de Fouad Boigny, l'image du président Laurent Gbagbo, l'image de Thomas Sankara, l'image de Mandela, qui a été publiée aux éditions Marie Brou Foundation. Sur la base de ce livre, avec tous les éléments qui s'y trouvent, je voudrais dire à M. Alassane Ouattara, il faut arrêter un peu, quand le pays est bloqué, il faut arrêter de tout politiser. Nous avons un problème, ce n'est pas sérieux. Mais ce n'est pas sérieux. Est-ce que vous pouvez imaginer en France, une seule fois, que le président Macron, les kits qu'ils vont distribuer à tous les Français pour résister au coronavirus, on marque dessus en marche, en marche, en marche, en marche, du nom du mouvement politique du président Macron. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où on voit cela. Les populations sont en détresse, on veut les soulager. Les kits qu'on va distribuer, on les estampille. RHDP. C'est ça le danger. Lorsque on a un président qui est en même temps président d'un parti politique. Donc, du coup, on est dans un parti-État. On n'est plus dans une démocratie. On n'est plus dans une république. C'est pour cela que le président, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il a lancé un appel. Le coronavirus ne doit pas être l'occasion de tout politiser. Il ne faut pas politiser la crise du coronavirus. Pourquoi est-ce que M. Ouattara veut tout politiser? Pourquoi vous voulez politiser la crise du coronavirus? Bon, maintenant, parce que vous savez, dans notre population, vous connaissez les Ivoiriens. Il y a des gens, quand ils entendent RHDP, ils ont même le palu en même temps. Quand ils entendent RHDP, ils ont même le coma, ils sont malades. Vous venez les sauver avec des kits RHDP. C'est autant leur dire, ou bien vous êtes RHDP, ou bien vous mourrez. C'est pas bien, c'est cynique. Et je voudrais le dénoncer ici. Je voudrais le dénoncer ici parce que je vois qu'on politise tout. Même au Cameroun aussi, j'ai suivi qu'il y a un débat. Parce que l'opposant, M. Kanto, a lancé un appel pour qu'il puisse récolter des fonds. Je crois qu'il a pu récolter entre 400 et 500 millions de francs CFA. Le gouvernement dit non, on n'est pas d'accord. On bloque parce que c'est illégal et tout cela. Je pense que le coronavirus doit souder les peuples. Le coronavirus est une crise mondiale. C'est une crise sanitaire grave. Les peuples doivent s'unir. Les opposants et les dirigeants doivent se prendre la main pour pouvoir faire face à ce virus commun. Et je trouve ça un peu malheureux que des responsables arrivent à s'opposer
devant le peuple qui est en deuil. Le peuple est en deuil, il est traumatisé. Et les politiciens se battent. De quoi M. Ouattara a-t-il peur? Il dit qu'il ne se présente plus en octobre 2020. Très bien, il veut respecter la Constitution. On n'attendait que cela. Mais si le candidat que vous avez choisi, M. Ouattara, il n'est pas à la hauteur, il n'a pas du coffre, mais il ne faut pas profiter de toutes les occasions pour le vendre. Ce produit, il n'est pas achetable. Ce monsieur ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, il ne faut pas vous fatiguer. En tout cas, des causes, ce n'est pas de la défiance. Mais nous, on vous lance un défi. Si vous pensez que votre candidat est tellement bon, il est capable, rendez le système démocratique, rendez l'élection propre, faites-nous une liste électorale tranquille, propre, vérifiable par tous les citoyens qui ont le droit d'y figurer. Et puis, la commission électorale indépendante, rendons-la démocratique. J'allais dire inclusive. Vous allez voir, en 2020, vous n'allez même pas aller au deuxième tour. Et puis, le débat sera clos. Donc, je voulais vraiment faire cette mise au point-là pour dire qu'on a besoin de solidarité. Vous savez, en Belgique, où je suis en ce moment confiné, je vais terminer par là, sur le coronavirus, la Belgique était bloquée, il n'y avait pas de gouvernement. Depuis plusieurs mois, il n'y a pas de gouvernement ici. Parce qu'il y a une crise grave entre les politiques, les Wallons et les Flamands. Le pays est bloqué. À cause du coronavirus, grâce au coronavirus, les Belges se sont entendus et ils ont mis en place un gouvernement pour faire face à l'ennemi commun. C'est pourquoi ce pays, au nom de la solidarité nationale, ce pays n'a pas de gros chiffres qui fassent peur. Sinon, il y a quand même des morts et tout, mais ce n'est pas extraordinaire. Regardez bien les chiffres. Parce que la Belgique se ressoude un peu. Le gouvernement qu'ils ont mis en place, c'est vrai que c'est pour 6 mois. Mais au moins, ils ont fait l'effort de transcender leurs égaux pour se mettre ensemble. Nous sommes en train de fatiguer les Ivoiriens. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà un peu la parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer en même temps sur cette question du coronavirus. Et ça a été une belle transition pour moi pour revenir sur le sujet d'actualité. Aujourd'hui, dans mon pays, le coronavirus, on est à moins de 5 décès, avec une 300e ou une 400e de contaminés. Mais il y a 9 ans de cela, lorsqu'on faisait le bilan, nous étions à des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Si nous disons que la France a perpétré, a mobilisé, a conduit un coup d'État, pardon, en Côte d'Ivoire, un coup d'État à la démocratie et aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il est bon que je dise un mot sur ce qu'il faut entendre par coup d'État. Coup d'État, c'est quoi? C'est quoi un coup d'État? Évidemment, vous savez, lorsque vous voulez définir un concept, vous le définissez selon l'orientation, selon la discipline dans laquelle vous vous trouvez. Si je veux faire de la littérature pure et que je veux parler de coup d'État, je veux prendre le dictionnaire Robert ou le Larousse, etc. Ici, c'est une analyse d'un militant des droits de l'homme qui fait une critique politique. Et donc, il faut aller chercher dans les manuels politiques, dans les définitions, dans les dictionnaires politiques, ce qu'on peut entendre par coup d'État. Et je vais prendre le plus simple des dictionnaires, qui s'appelle la toupie. Ça se trouve sur le net, tout le monde peut voir. La toupie, si vous voulez, c'est le dictionnaire politique. Donc, le toupictionnaire. Dans le toupictionnaire, on vous dit que le coup d'État, c'est la prise du pouvoir dans un État par une minorité, par des moyens anti ou bien non constitutionnels. Je m'arrête là. Simplement. Donc, prise du pouvoir par une minorité dans l'État, prise du pouvoir par une minorité, par des méthodes, des moyens anticonstitutionnels, des moyens non constitutionnels, et parfois de la manière violente, évidemment, quand c'est une minorité, de la manière violente. Dans cette définition qui est si simple du coup d'État, vous allez voir en quoi est-ce qu'on accuse la France. Donc, dans cette définition du coup d'État, vous allez voir qu'il y a un terme qui est le plus important, c'est non constitutionnel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, c'est une prise du pouvoir en dehors de la Constitution. Vous laissez la Constitution et puis vous prenez le pouvoir. C'est cela qu'on appelle coup d'État, par des moyens non constitutionnels. Mais il est bon aussi de préciser pourquoi minorité? Oui, parce que ceux qui font les coups d'État en général, c'est un petit groupe. Et comme ils savent qu'ils sont petits, ils prennent les armes. Ils agissent par la violence et par la force.
Parce que si ce n'était pas une minorité, on dit plus, la question du coup d'État devient discutable. Parce que si ce n'est pas une minorité, que c'est une relative majorité, on peut parler de soulèvement populaire ou alors même de révolution. Or, un soulèvement populaire ou bien une révolution n'est plus vraiment un coup d'État. Pourquoi? Parce que dans la démocratie, le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Donc si le peuple se fâche et qu'il se lève en masse, on ne peut plus parler de coup d'État, puisque c'est le propriétaire des lieux. C'est le propriétaire qui demande. Je vous donne un exemple. En 2014, en octobre, le 14 décembre, je crois, le 14 octobre, je pense, au Burkina Faso, contre Blaise Compaoré, il y a eu un soulèvement populaire qui ressemble un peu à une sorte de révolution. Pourquoi? Parce que le peuple a confié son pouvoir à M. Blaise Compaoré. Il y a 27 ans de cela. C'est-à-dire le peuple, détenteur exclusif du pouvoir démocratique, il dit, Monsieur le Président, nous vous confions notre pays pour 5 ans. 5 ans ou bien maximum 10 ans. C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Le monsieur prend le pouvoir et il en abuse. Après les 10 ans, il manigance des tripatouillages et puis il fabrique une élection. Parfois, ce n'est même pas la volonté du peuple. Et puis il dit oui, le peuple a dit oui. Donc il continue. Et il a fait 27 ans. Le 14 octobre, en 2014, le peuple dit bon, ça suffit. C'est nous qui te confions le pouvoir. Tu en abuses. Eh bien, nous descendons dans la rue pour récupérer notre pouvoir. Ça fait penser à la grande révolution en France, quand même. En 1789, où finalement le peuple dit, ça suffit, on ne veut plus de roi, on veut la République. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc le coup d'État, c'est une minorité qui prend des armes et qui arrive à transgresser la Constitution et pour s'imposer. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011, ça va un peu au-delà même de la transgression. Parce que je dois rappeler aussi que pour qu'on dise non constitutionnel, quand on dit non constitutionnel, ça veut dire qu'on a mis de côté la Constitution. On a violé la Constitution du pays. On est passé outre la Constitution pour agir. Et de ce point de vue-là, on sort de la démocratie. On est sorti de la démocratie. Parce que la démocratie, que vous voyez là, c'est vrai que c'est le peuple, mais la démocratie, elle se fonde sur la Constitution. C'est-à-dire que pour que la démocratie, qui est une théorie, puisse prendre effet dans tout pays, on a besoin qu'elle soit exprimée dans la Constitution. Et à partir de là, vous voyez que la Constitution devient le gage, le socle même de la démocratie, puisqu'elle devient la boussole, cette Constitution-là, la boussole de l'évolution dans le pays. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est que, avec ce que M. Ouattara et Sarkozy ont fait, c'est qu'on est passé à côté de la Constitution, on a banalisé la Constitution, donc on a blessé les Ivoiriens. Et donc, il faut aussi noter que ça va même au-delà même du coup d'État. Parce que, comme on dit, une minorité dans le pays prend les armes ou bien arrive à prendre le pouvoir. Sauf que la minorité qui prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, qu'on peut identifier comme les rebelles, qu'on peut identifier comme l'opposition, les pro-Ouattara, le RHDP, avec le PDCI et tout cela, il n'y a qu'à l'extérieur, ils ont bénéficié d'une force, la force française. À partir de là, c'est comme une transgression de notre souveraineté, une transgression de la nationalité, de la souveraineté nationale. Et c'est en cela que nous sommes meurtris, nous sommes floués, nous sommes humiliés dans notre dignité. Sauf que les gens ont fait une erreur. Parce que Laurent Gbagbo, ce n'est pas Saddam Hussein. C'est pour cela qu'il n'est pas mort d'ailleurs. Parce que Laurent Gbagbo, ce n'est pas Mouammar Kadhafi. C'est pour cela qu'il n'est pas mort aussi d'ailleurs. Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a résisté. Et Laurent Gbagbo a eu son peuple avec lui. À ce stade de mon propos, je voudrais dire que quand on nous enlève Laurent Gbagbo le 29 novembre 2011, parce que quand on le prend le 11 avril 2011, on l'envoie à l'hôtel du Golfe, au QG de M. Ouattara. Après, on l'envoie à Korogo. Et puis de Korogo, on coupe tout, allez, juridiquement, avec Ocampo, de la CPI, on traficote les textes, tout, on viole tout, et puis on l'envoie à la CPI. Au passage, il faut saluer ce transfèrement, parce que peut-être, n'eût été ce transfèrement, Laurent Gbagbo serait plus en vie aujourd'hui. C'est ce que je pense. Et je l'avais déjà dit au cours d'une conférence, je crois qu'ici en Europe ou aux États-Unis. Quelque part, la CPI a sauvé Laurent Gbagbo. Quelque part, la CPI a sauvé Charles Déboudé. Quand on s'imagine que Charles Déboudé a passé 14 mois dans un sous-sol à la direction de la surveillance du territoire,
là où M. Ahmed Bakayoko, le tout-puissant homme du RHDP, disait non, non, il est quelque part dans une résidence, il est en lieu sûr. Non, ce garçon était maltraité. Ses avocats l'ont dit. Et lui, il vit, il le dit. Donc, quelque part, oui, la CPI les a sauvés. Mais si la CPI les a sauvés, la CPI, cela ne dédouane pas la CPI qui veut forcément les maintenir, hein, continuer le complot de la communauté internationale, le complot de la France. Non, parce qu'ils ont eu raison de la CPI. Ils ont vaincu la CPI. Nous avons vaincu la CPI. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage, encore une fois, à tous les patriotes ivoiriens. Je voudrais saluer la diaspora, parce qu'elle a été extraordinaire. Aujourd'hui, si les Camerounais, parce que je suis en train de parler d'Afrique Média, qui est une chaîne basée au Cameroun, je crois que c'est à Yaoundé. Mais parce que si les Camerounais s'intéressent tant à ce que la Côte d'Ivoire est et ce qu'elle va devenir, et si elle s'intéresse tant à ce Laurent Gbagbo, c'est parce que les Ivoiriens ont démontré à la face de l'Afrique et au monde entier qu'ils étaient un autre peuple. Nous sommes un peuple doux, mais un peuple intransigeant, un peuple exigeant, un peuple de dignité, un peuple de valeur. Thomas Sankara n'avait-il pas dit que le Burkina Faso est le peuple, le pays des hommes intègres? La Côte d'Ivoire, c'est la dignité de l'homme. C'est ça qui nous prévaut. La France, il ne faut pas venir nous marcher dessus. Et puis on va dire, croisons les bras parce qu'ils sont trop forts. Je me rappelle encore à l'époque, quand je passais sur les chaînes de télévision et qu'on a pris le président Laurent Gbagbo, il y a des amis qui m'ont appelé des États-Unis et partout pour dire, mais docteur Boga, vous rêvez? Qu'est-ce que la petite Côte d'Ivoire peut faire devant la grande communauté internationale, devant la France, devant les États-Unis, tous ces gens qui sont coalisés pour bombarder le président Laurent Gbagbo? Arrêtez ça! Lorsque je suis arrivé en Italie, j'ai été rencontrer les autorités italiennes, j'étais à Rome, pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, pour lui dire, j'arrive de la Côte d'Ivoire, je viens vous faire un témoignage, vous dire, et je viens, je suis venu en exil le 10 juin 2011. On prend le président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, le 10 juin j'ai la chance, par un miracle, de sortir en Italie. Et je vais rencontrer les autorités italiennes. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit, alors le ministre ne m'a pas reçu, il m'a fait recevoir par son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères à l'époque, je parle de 2011. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, mais monsieur, écoutez, nous, on a fini avec le dossier de la Côte d'Ivoire. Le dossier de Laurent Gbagbo, il est classé. Passez à autre chose. Passez à faire la politique, voir comment est-ce que vous pouvez vous opposer à M. Ouattara et tout. Mais nous, le dossier est classé. On est en train de penser à la Libye et après, il y a la Syrie. Donc, vraiment, la Côte d'Ivoire, je suis désolé. 9 ans plus tard, nous sommes là. Et nous avons triomphé de la CPI. Dans la honte, la CPI ne veut pas lâcher le monsieur. Dans la gêne, dans la honte, la communauté internationale, y compris la France, continue de tirer les ficelles. Comment quelqu'un qui est acquitté peut avoir être bloqué ici en Belgique? Comment quelqu'un qui est acquitté au nom du droit, qui est innocenté, peut encore demeurer en prison? C'est grave. C'est une violation du droit et du droit international. Mais je pense que la vérité finira par triompher. Le président Laurent Gbagbo est serein. Mais là, il n'est plus en prison. C'est un homme libre. Et il a le droit de penser à ce qu'il veut faire de sa vie. Bref. Donc, chers amis, les gens ont pensé que Laurent Gbagbo, c'était... Non, ils se sont trompés. Maintenant, on a violé notre constitution, on a violé notre pays. Et donc, je m'en vais vous dire maintenant, dans la deuxième partie de mon analyse, quels sont les éléments concrets par lesquels on voit la main de la France. Comment est-ce qu'un Ivoirien comme moi qui a vécu les faits. Je précise toujours aux uns et aux autres, et je vais le rappeler à longueur de cette conférence. Le parti du président Laurent Gbagbo, je n'en suis pas membre, ni aujourd'hui, ni demain, je ne suis pas dedans. En Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, je fais partie de ses critiques. Je critique son gouvernement, je critique les forces de l'ordre, je suis un militant des droits de l'homme. Donc moi, je fais mon travail. Et le président Laurent Gbagbo, une fois, il me fait un témoignage, et ça, je vais le dire, pour les petits esprits du RHDP, de Ouattara, qui est le petit esprit. Le président Laurent Gbagbo, je le rencontre en 2007. C'est bon de faire cette parenthèse pour que les gens comprennent très bien, une fois pour toutes. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais aujourd'hui. Je le rencontre en 2007, au mois de mai. À quelle occasion? Au début du mois de mai, les enseignants de l'université sont en grève. La grève dure un mois. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande au président de la République, qui s'appelle Laurent Gbagbo, de leur donner
un peu plus de salaire, un bon salaire, d'augmenter leur salaire et de voir aussi les conditions de travail. C'est un droit constitutionnel, la grève. Elle est constitutionnelle, il n'y a pas de problème. La grève dure un mois, parce que le président Laurent Gbagbo ne veut pas. La grève dure 2 mois. Alors, en ce moment-là, les jeunes de la FESI, la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, commencent à grogner. Malheureusement, ils ne grognent pas contre le gouvernement, mais ils grognent contre les enseignants qui font grève. Ce qui est tout à fait ahurissant et paradoxal. Parce que normalement, le droit de grève est un droit constitutionnel. Moi, je fais ma grève contre le gouvernement. Si toi, en tant qu'étudiant, ton droit à l'éducation est violé par les enseignants, mais il faut t'en prendre aussi au gouvernement pour dire, trouve les moyens de régler la crise, mais moi, je vais aller à l'école. Malheureusement, la Fédération étudiantine scolaire, quand elle a fait ça, elle a fait donc une assemblée générale à l'université. Le président, le secrétaire général s'appelait Serge Kofi, qui est aujourd'hui au Canada. Je le salue au passage, c'est un jeune frère à moi. Ils ont décidé que les organisations des droits de l'homme n'ont pas défendu suffisamment leur cause. La grève dure 3 mois, c'est un net trop. Donc, eux, ils décident de passer à l'acte. Quand ils ont fini leur assemblée générale, les étudiants sont descendus dans la première organisation des droits de l'homme qui était à côté, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Moi, j'ai fait 10 ans à la Lido. La Lido était présidée par M. Patrick Nguyen, Dr. Patrick Nguyen. Ils ont tout cassé. De la Lido, ils se sont déportés dans l'organisation que je dirigeais, qui s'appelait APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Ils ont tout cassé. Alors, quand on a tout cassé dans nos bureaux, et quand moi j'arrive le matin, ils ont tout cassé dans mes bureaux, alors là, nous avons commencé à tempêter. Vous dites, nous ne sommes pas d'accord, il faut que le président de la République, pour une fois, tranche cette affaire. La FESI se donne tous les droits, parce que, bon, M. Charles-Blé Goudé est quand même l'homme, le bon petit, l'homme qui a tout fait, l'homme qui harangue les foules pour le président de la République, donc la FESI bénéficie de trop de grâce, voilà ce qu'elle fait, on a tempêté. Tous ces discours, on les a prononcés. Et puis un matin, mon téléphone sonne. Ce que je vous raconte là, je l'ai raconté dans ce livre. Parce que c'était un témoignage fort. Mon téléphone sonne, le président de la République, le protocole d'État m'appelle pour dire que le président de la République a décidé de visiter les 2 organisations des droits de l'homme qui ont été saccagées, la Lido et la PDH. Et donc le président de la République se déplace ce lundi-là et il arrive à mes bureaux. Il a visité les autres et il est arrivé à mes bureaux. Et ce jour-là, il y a eu un échange de discours. Le mien et celui de l'autorité de mon pays, le président de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je reste admiratif de ce président Laurent Gbagbo. Voici les propos qu'il a tenus. Il a dit, docteur Gouga, écoutez, vous êtes de la société civile, vous faites votre travail. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, je viens vous apporter le réconfort de la nation. Premier point. Je dis bravo. Voilà un président au moins qui reconnaît que nous avons été victimes de quelque chose. Deuxièmement, il fait une analyse pour dire, la démocratie ne se bâtit pas seulement avec les partis politiques. Elle se bâtit aussi avec la société civile. Parce que c'est ensemble que nous construisons la démocratie. C'est la société civile, c'est les partis politiques, les syndicats, toutes les associations de la vie sociopolitique doit bouger. C'est ça qui fait la démocratie. Donc, faites votre travail. Deuxième point. Bravo, monsieur le président. Troisième élément. Il dit, vous savez, docteur Bouga, quand vous critiquez les rebelles, parce que nous étions en pleine rébellion, on est en 2007, les rebelles contrôlent le nord, le gouvernement est au sud. Quand vous critiquez les rebelles et tout ça, je lis vos déclarations, mais je ne dis rien. Parce que si, en tant que président de la République, je parle, les gens vont dire, ah oui, on comprend, c'est le pouvoir qui le manipule. C'est pour cela qu'il est si hargneux contre les rebelles. Donc je ne dis rien. Mais en même temps, lorsque vous critiquez ma façon de gouverner, lorsque vous critiquez mon gouvernement, parce que oui, j'ai critiqué le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Oui, lorsqu'il y a eu les déchets toxiques, j'ai fait partie de ceux qui ont demandé la démission du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Oui, lorsqu'il a utilisé l'article 48 pour que M. Ouattara devienne candidat, je fais partie de ceux qui l'ont critiqué. Donc souvent, je l'ai critiqué. Mais il dit, lorsque vous me critiquez, même quand je ne suis pas d'accord, je ne dis rien. Parce que si je parle, ça peut donner de la force à mes partisans de vous agresser et tout cela. Waouh! Et quand il finit, il le repart et c'est ce jour-là que le ministre de l'Intérieur, paix à son âme, M. Désiré Kabro, nous convoque. Et à ce moment-là, le président de la République met à ma disposition des gardes du corps pour que partout où je fais mes activités, je sois protégé et que pour dissuader ceux qui voudraient m'agresser. Et j'ai eu ces gardes du corps jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire pour venir en exil. Bravo, Monsieur le Président Laurent Gbagbo.
J'ai voulu rendre ce témoignage-là parce que souvent les gens font des amalgames en voulant faire de nous des militants FPI. Non, moi je respecte le président de mon pays, c'est l'autorité de mon pays. Mais attention, le président que je respecte, le président que je suis condamné à respecter, c'est celui qui est élu de façon claire et propre, sans tricherie, sans embâche. Et donc voilà, c'est pour cela que je respecte le président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu au président. Mais voilà comment la France a agi. Premier élément, la rébellion de mon pays éclate en 2002. Parce que Laurent Gbagbo, il a été élu en 2000. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'il faut que j'aille vite pour prendre les questions. Le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. Face à qui? Face à lui, c'était Robert Guéhi, le général, donc le poutiste. Il a gagné l'élection. Et il faut rappeler à qui veut l'entendre, le président Laurent Gbagbo gagne cette élection dès le premier tour. Il a eu 59,40%, je crois. Dès le premier tour. On n'est même pas allé au deuxième tour. Et le foutiste, les militaires disent, non, on ne veut pas, on bloque le pouvoir. Il y a eu là, c'était une discussion de pays. Il y a eu 400, entre 300 et 400 morts en Côte d'Ivoire parce que le militaire n'avait pas gagné. Et je salue au passage M. Guillaume Honoré, le président de la Commission nationale électorale. Il a tenu bon et il a donné le verdict des urnes. Le président Laurent Gbagbo est devenu président en 2000. En 2002, contre toute attente, alors qu'en 2001, il a organisé un forum de dialogue national où il a profité pour faire venir M. Ouattara, qui était en exil, M. Bédié, tous ces gens, malgré tout ce qu'il a fait en 2001, le forum de dialogue national, malgré ce qu'il y a eu le coup d'État en 2002. Mais c'est dans le coup d'État de 2002 qu'on... Ça, c'est l'acte 1 du coup d'État de la France. L'acte 1. L'acte 1, pourquoi? Parce qu'on a un coup d'État dans notre pays. D'abord, nous avons des accords qui nous lient à la France, à l'ancienne puissance coloniale. Elle a gardé dans notre pays le 43e BIMA, le 43e bataillon d'infanterie militaire d'Abidjan. Le 43e BIMA est l'armée française. C'est surtout dans notre pays. Mais pourquoi? Parce que les accords disent, quand la Côte d'Ivoire est agressée, quand notre démocratie, quand notre pays est agressé, l'armée française doit nous aider. Les rebelles sont venus du Burkina Faso. Parmi eux, il y avait des Burkinabés. La France dit non, c'est une guerre ivoiro-ivoirienne. Elle n'a pas réagi. Ok. Nous titubons, le président Laurent Gbagbo a fait tout ce qu'il pouvait. Toujours dans le premier point de l'acte 1 du coup d'État de M. Là, c'était Chirac. Chirac n'a pas bougé. L'armée française n'a pas bougé. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les gens ont tout goupillé et puis on nous convoque à Marcoussi. À l'île à Marcoussi, encore en France. Pourquoi? Pour aller négocier la paix. Et qui convoque? C'est la France qui convoque. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui choisit. La France elle-même l'a choisi, les interlocuteurs. Et on invite tout le monde, sauf le président de la République. On a invité les partis politiques, sauf le président de la République. Et à ce temps-là, j'ai dit, mais attendez, moi je ne suis pas d'un parti politique. Donc qui me représente à Marcoussi? Les Ivoiriens n'ont pas été représentés. Parce que je dis toujours aux gens, le président de la République c'est quoi? Le président de la République, ce n'est pas un individu, c'est une institution. Dans la hiérarchie des institutions de la République, le président de la République est la plus haute institution de la République. Et il incarne la nation. C'est-à-dire que quand le président passe, c'est la nation qui passe. C'est le drapeau du pays qui passe. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un bété, ce n'est pas un nom. Il est des noms, des mamans. Non, c'est la République qui se déplace dans la personne du président de la République. Il n'a pas été convoqué à Marcoussi, donc nous, on n'a pas été représentés. Ils ont coupé quelque chose à Marcoussi. Et puis, c'était un coup d'État. Parce qu'à Marcoussi, on dit au président de la République, bon, il faut te défaire de ton premier ministre. On va mettre en place un gouvernement d'union. Tu n'as pas le choix. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Le président va à Kléber. Et ça a failli faire basculer la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Je voyais des gens zélés, des dévilpères, les Alliomarie. Tous ces gens marchaient sur la Côte d'Ivoire. Notre président est parti, il les rendait tout petits de Kléber. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit, bah, écoutez, c'est vrai que le médicament est amer, mais il faut l'essayer. Nous t'avions tous mal. La France venait de nous gifler. Parce qu'à Marcoussi, on a légitimé les rebelles. On les a mis au même niveau que la République. On les a mis au même niveau que le président de la République. Et c'est comme ça que M. Affine Guessant est parti et il a été remplacé par M. Seydou Eliman Diarra. Le premier coup d'État de la France. Déjà, j'ai dit, le premier élément, la première étape de ce coup d'État.
Et puis on finit avec, comment dirais-je, Marcoussi. Deuxième étape de la manœuvre, on arrive maintenant aux différentes résolutions. C'est-à-dire qu'ils ont, décidé de mettre en place M. Seydou Oliman Diarra. Mais ils ont vu qu'une fois qu'ils sont arrivés à Abidjan, le président Laurent Gbagbo est toujours assis serein. Il a dit, je suis toujours à la barre. Et quand il dit ça, les Occidentaux veulent pleurer. Et donc, ils continuent toujours de piloter le pays. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? La France va négocier maintenant aux Nations Unies. Et ça, Et M. Chirac va faire la passe à un certain Nicolas Sarkozy. Donc, on va aux Nations Unies pour goupiller. Mais qu'est-ce qu'ils vont goupiller? Et c'est la deuxième phase de leur coup d'État. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, comme la rébellion n'a pas réussi à l'enlever au pouvoir, il faut arriver à l'attacher. Et puis, il soit affaibli. Et que le pays soit contrôlé par les rebelles, par un premier ministre. Donc, la stratégie des Nations Unies, sous l'esprit de la France, c'était de dépouiller le président de la République de tous ses pouvoirs et de les confier à un premier ministre, qu'on appelle un premier ministre de consensus, pour que le pays puisse évoluer. Ils nous ont sorti une première résolution, la résolution 1633, en 2005. Quand ça n'a pas fonctionné, on nous a fait une deuxième résolution, la 1721, en 2006. Et quand on a enlevé Seydou Eliman Diarra, ils l'ont remplacé encore par un autre premier ministre, M. Charles Onabani. Parce qu'on estime que M. Seydou Eliman Diarra est trop doux. Il n'arrive pas à bousculer dehors le président Laurent Gbagbo. Donc comme il est trop doux, on va le remplacer par quelqu'un qui vient du PDCI, qui est puissant. On nomme M. Charles Onabani. M. Charles Onabani n'a pas fait long feu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le président Laurent Gbagbo dit, mais écoutez, il y en a marre. Excusez-moi de l'expression, mais il y en a marre. À un moment donné, je prends mes responsabilités. Et c'est à ce moment-là que le président Laurent Gbagbo, il a déjoué la deuxième étape du coup d'État français en décidant de rencontrer directement les rebelles sans qu'il y ait d'intermédiaire au milieu. Et c'est là où on parle des accords de Ouagadougou. Là, on va à Ouagadougou et ces accords-là sont signés le 4 mars 2007. Et le président Gbagbo décide que M. Guillaume Soro devient le premier ministre. Il dit, je préfère encore moi-même choisir un premier ministre, au moins avec qui je peux m'entendre. Parce que je suis fatigué de tout ce que la communauté internationale m'impose. Chers amis, pour couper court sur ces éléments des preuves du coup d'État de la France en Côte d'Ivoire, je vais arriver à un point déterminant maintenant. Le point déterminant, quel est-il? On a fini tout cela. Le président Laurent Gbagbo est toujours en poste. On est en 2007, il faut bondir maintenant en 2010 pour l'élection présidentielle. C'est là où tout va se gâter. Et pour arriver à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passe? On voit que le président, on n'arrive pas à mettre trop la pression sur lui. Donc, une autre stratégie de la France, c'est qu'on va arriver à distraire le président pour lui dire, même si dans l'accord de Ouagadougou, il est prévu que, une fois que la date des élections est fixée, les rebelles vont désarmer. C'est écrit dans l'accord de Ouagadougou. Les rebelles ne désarmeront pas. Ils ne désarmeront pas. Et on va pousser le président Laurent Gbagbo à accepter que l'élection se fasse. D'ailleurs, le président Laurent Gbagbo l'a confessé dans le livre de François Mattei. Cela fait partie des erreurs qu'il a commises. Le fait d'avoir accepté de faire l'élection sans que le désarmement n'ait lieu. Mais c'était le gros piège. Et ce 11, comment dirais-je, en 2010, donc le 31 octobre, le premier tour, et puis le 28 novembre, le second tour de l'élection présidentielle arrive. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au point culminant de la troisième phase du coup d'État de la France. L'élection s'est déroulée. Je ne vais pas revenir sur tous les détails que vous maîtrisez, parce que tout ce que vous savez, je survole ça rapidement, mais l'élection se déroule. On sait très bien, là, il n'y a pas de débat. On nous a mis face à deux présidents déclarés. Le président Laurent Gbagbo est confirmé par le Conseil constitutionnel. Il prête serment, donc le 3 décembre, il est confirmé président de la République de Côte d'Ivoire. Et il prête serment le 4 décembre au palais présidentiel. J'y étais. Entre-temps, le même 3 décembre 2010, M. Ouattara se proclame aussi président à l'hôtel du Golfe, soutenu par la communauté internationale. Sur quelle base?
sur la base de ce que la veille, le 2, le président de la commission électorale est allé lui seul proclamer les résultats depuis l'hôtel du Golfe, le siège, le QG de M. Ouattara. Et donc on cherchait à comprendre, mais comment il a osé? Pourquoi il a fait ça? Il a fallu attendre le mois de février, autour du 20-21, pour voir la révélation. Et c'est le troisième élément fort de ce coup d'État de la France. Ce troisième élément, c'est quoi? Je vais vous lire quelques extraits. Ce troisième élément-là, c'est que le président Nicolas Sarkozy, après avoir tensé le président Laurent Gbagbo, après avoir, comment dirais-je, intimé l'ordre au président Laurent Gbagbo, des ultimatums à n'en point finir, comme il voit que le président Laurent Gbagbo ne bouge pas, lui, président de la France, il prend sa plus belle plume, et il écrit une lettre adressée au président de la commission électorale indépendante. C'est-à-dire, mais j'hallucine. Comment le président de la France peut écrire au président de la commission de Belgique pour dire, prononcez vite les résultats. Prononcez les résultats. Moi, président de la France, je vous demande de prononcer les résultats dans votre pays. Mais franchement, et c'est par là que je vais terminer avec les éléments de preuve sur cette lettre. Parce que la lettre, elle est sortie autour du 20 février. Elle s'est répandue dans les journaux. Quand les journaux, les journalistes ont eu le scoop, ils ont diffusé la lettre. Dès le lendemain, le 22 février 2010, l'ambassade de France écrit pour dire c'est du faux. La République de France, le président français n'a jamais écrit de lettre adressée au président de la commission électorale. Mais c'est léger. Attendez, des journalistes vont dire que le président de la République française a écrit. Donc on accuse le président, c'est-à-dire qu'on limite même sa signature. Et vous ne faites que condamner. Vous faites une simple déclaration. Non, en temps normal, la France va faire arrêter tous les directeurs de publication des journaux pour dire vous avez osé publier un courrier soi-disant émanant du président de la République de France. Au nom de la France, on poursuit. Non, on n'a pas été poursuivi. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Jean-Marc Simon, fait juste un communiqué pour dire que non, le président français n'a jamais... Non, mais c'était trop tard. Et à l'intérieur de cette lettre se trouvent tous les éléments de ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo. Je vous lis quelques extraits. M. Sarkozy commence par un mensonge. Il dit, Monsieur le président de la commission électorale indépendante, à la suite de notre communication téléphonique, donc le président français a pris son téléphone pour appeler le président de la commission électorale indépendante d'un pays souverain. Et vous me parlez, vous me dites que ce n'est pas un coup d'État. Ça, le président de la France qui appelle le président de la commission électorale de mon pays. Au nom de quoi? En tant que qui? Et il lui dit ceci. Le processus a été achevé, le processus électoral, a été achevé de façon juste et équitable, d'après les rapports établis par toutes les parties prenantes au processus. Premier mensonge. Toutes les parties prenantes n'ont pas dit que ce processus était juste et équitable. Exemple, le président Laurent Gbagbo a déposé une requête devant le Conseil constitutionnel pour dire que M. Ouattara a triché dans le Nord, dans 7 départements. Donc, premier mensonge. Et M. Sarkozy continue dans le mensonge. Un peu comme George Bush, le mensonge, le coup de tuer Saddam Hussein. Toujours le mensonge. Je n'ai pas envie de dire les menteurs, autant pour moi. Mais c'est du mensonge, enfin. Mais c'est du mensonge, enfin. Pour détruire, vous mentez. Oh là là. Et il continue. Il va donner un ordre au président de la commission. Il dit, les textes de la République de Côte d'Ivoire vous offrent une marge limitée pour proclamer les résultats provisoires. Je vous dis qu'on est le 1er décembre. La lettre date du 1er décembre. C'est le dernier jour qui reste au président de la commission électorale indépendante pour proclamer les résultats. On a attendu les 3 jours. Vous vous rappelez, quand il a dit qu'il n'était pas encore minuit, c'était cette lettre-là. C'est si cette lettre-là, il comptait. Parce qu'elle est venue dans la journée. Et on était le dernier jour. Il attendait vers le dernier moment, mais il n'a pas eu l'occasion. Parce qu'il était verrouillé à la commission. Tous les membres de la commission étaient devant lui. Tu ne bouges pas, il n'a pas bougé. Donc il a attendu minuit, mais il n'a pas pu prononcer les résultats. C'est pour cela que dès le lendemain, le 2, il a disparu pour se retrouver à l'hôtel du Golfe. Parce que M. Sarkozy a écrit dans sa lettre, les textes de la République de Côte d'Ivoire vous offrent une marge limitée pour proclamer les résultats provisoires. Comme vous le savez mieux que moi-même, et compte tenu de l'attente de votre peuple,
je vous exhorte au prononcé du verdict des urnes. Un président n'exhorte pas, c'est un ordre. La langue française, heureusement que nous l'avons étudiée. Mais quand il a fini de dire ça, dans son courrier, voici les menaces de M. Sarkozy. Et vous allez voir que toutes les menaces se sont répandues sur le président Laurent Gbagbo, contre le président Laurent Gbagbo. Voilà le coup d'État dévoilé. Il dit ceci, nous sommes disposés, donc il parle au président de la République dans la lettre, nous sommes disposés ainsi que toute la communauté de l'Union européenne à soutenir de façon irrévocable le respect de la volonté du peuple de sécuriser les civils ainsi que tous les nouveaux représentants des institutions installées. Waouh! Nous sommes déterminés, c'est-à-dire, toi, président de la commission électorale, il faut parler. Tu finis de parler, le reste, nous, on va le faire. S'il faut mater, s'il faut tuer tous les Ivoiriens pour que M. Ouattara devienne président, nous, on va le faire. Tranquillise-toi, fais ton job. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Je vous donne la suite des événements. On a mis l'embargo sur tous les médicaments en Côte d'Ivoire. L'embargo. L'Union européenne a décrété un embargo sur les médicaments pendant plus d'un mois. Vous savez les morts qu'il y a eu? Voici ce que Nicolas Sarkozy a fait. Ce n'est pas de la cruauté, ça. La cruauté. La cruauté. C'est pas pire que le coronavirus, ça. De suspendre les médicaments d'un pays souverain parce qu'on veut que M. Ouattara devienne président de la République de notre pays. Waouh! Waouh! Et on a osé crier sur tous les toits parce que c'était choquant, c'était humiliant. Nicolas Sarkozy l'a fait. Il a dit clairement. Il dit, nous sommes disposés, ainsi que toute la communauté de l'Union européenne, à soutenir de façon irrévocable le respect de la volonté du peuple. Quel peuple? Ton peuple? C'est ce que les Ivoiriens t'ont demandé? Et puis la mesure de l'embargo sur les médicaments, c'est la mesure suprême. C'est une mesure criminelle. Là, il y a crime contre l'humanité. Il y a crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, on attend que M. Ouattara parte. Et puis tout ça, tranquillement, on va réfléchir. Parce que notre pays a été blessé. Et comme si cela ne suffisait pas, on va venir dans les banques. Toutes les banques françaises ont été verrouillées. Ah bon? Cela veut dire que dans notre pays, on doit même réfléchir par deux fois avant de mettre notre argent dans des banques, dans des représentations des banques françaises. Parce que le jour où nous sommes en conflit avec la France, ils sont capables de bloquer notre argent dans les comptes privés, même dans le compte courant, de bloquer les banques. C'est ce qu'ils ont fait à mon pays. Et vous allez me dire que ce n'est pas le coup d'État de la France. Et je m'avais terminé son courrier parce qu'il a dit encore des choses ahurissantes. Il dit, nous sommes reconnaissants, là, il va flatter un peu maintenant le président de la commission électorale. Nous sommes reconnaissants et aussi que votre tâche n'est pas facile. Mais la République française que je représente s'engage à protéger toute personne qui permettront à la République de Côte d'Ivoire d'aller enfin vers une vraie démocratie pour enfin établir l'unité nationale tant recherchée. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est une sorte de subtilité pour dire tu seras protégé. Tu seras protégé, il ne faut même pas t'inquiéter. Parce qu'il dit clairement, la République française que je représente s'engage à protéger toute personne qui permettront à la République de Côte d'Ivoire d'aller enfin vers une vraie démocratie. Et si vous dites que c'est Dr Boga qui interprète les propos de la lettre, calmez-vous, parce que la suite est encore plus limpide pour vous, dont l'esprit est un peu limité, excusez-moi. Il dit ceci, vous disposerez du soutien sans faille de notre ambassadeur, du ministère des Affaires étrangères, pour une facilitation de votre mission. On comprend pourquoi l'ambassadeur de France, accompagné de celui des États-Unis, été à côté de M. Youssouf Bakayoko lorsqu'il était à l'hôtel du Golfe pour prononcer les résultats. C'est ce que M. Nicolas Sarkozy a promis. Pour faciliter toute votre mission, vous aurez à côté de vous l'ambassadeur, le ministère, tout le monde est à disposition. Et puis il va plus loin et il ajoute, afin de nous permettre, nous, président, d'orienter au mieux nos démarches diplomatiques, il est nécessaire que notre ambassadeur soit informé de façon quasi automatique de la suite des événements. Waouh! Mesdames et messieurs, quand vous entendez ça, est-ce que vous avez besoin d'aller chercher qui est l'auteur du coup d'État? Qui a fait qu'on a bombardé notre pays? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher
Non, tout est là dans la lettre. Et quand je vois la légèreté avec laquelle l'ambassadeur de France a répondu à tous les journaux qui ont diffusé cette lettre, je dis, oh là là, c'est trop gros. La France peut faire mieux. Vous ne pouvez pas salir le président français comme cela. C'est pour cela que je peux me permettre aujourd'hui d'en parler. Parce que ce sont des faits. Ce 11 avril 2011, c'était un coup d'État de la France contre la démocratie, contre les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, contre le président Laurent Gbagbo, contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en terminant donc cet exposé, je vais quand même donner les derniers points, c'est-à-dire, dans le dernier point, est-ce que c'était la France seule qui était autrice du coup d'État? Est-ce que c'est la France seule qui a fait ce coup d'État? Non, évidemment. Non, évidemment. Alors, premier élément du coup d'État. Chers amis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des fils de la Côte d'Ivoire, les opposants ivoiriens. En premier lieu, M. Alassane Ouattara, évidemment, c'est lui. Oui, bon, c'est lui le chef de file de l'opposition, mais c'est lui le brave Tchèque. Oui, c'est lui qui a les carnets d'adresse. Oui, c'est lui qui a les amis. Oui, c'est lui qui... Ah, je les voyais encore lors de leur rencontre du RHDP récemment à l'hôtel du Golfe. Le jour où ils ont choisi leur grand Koulibaly, là. Ah, ils disaient encore, je crois que c'était Patrick Hachi, hein, le ministre Patrick Hachi, qui disait, je me rappelle encore, monsieur le président, on était assis de votre téléphone, vous décantiez les problèmes, quand vous venez, on était là, vous appelez tel président d'elle. Oui, c'est ça. Ce sont tous ces gens-là qui sont les auteurs du coup d'État, au plan interne. Évidemment, le président Bédié y était. Ce qui est intéressant, je ne vais même pas dire ça deux fois, parce que le président Bédié aujourd'hui, de sa posture, ce n'est que des regrets. Ça veut dire qu'il a été berné. Il s'est trompé. Il aurait dû privilégier l'amour du pays par rapport à tous ces... Voilà. Je dis toujours aux gens, entre les milliards en banque et les valeurs que tu sèmes dans ta république, dans ta patrie, il n'y a pas de comparaison. Les hommes les plus puissants de la planète, ce n'est pas Bill Gates. Ce sont les hommes qui agissent, les hommes qui pensent. C'est ça qui fait avancer le monde. Donc, bref, le président de Dieu, il s'est ressaisi aujourd'hui. Évidemment, il fait la rébellion. Guillaume Soros s'est rétracté aujourd'hui. Mais bon, tout ça, ce sont les acteurs internes du coup d'État qui ont aidé la France. Parce que la France n'a pas agi dans le vent. C'est pour cela qu'on nous dit que, dans les livres d'histoire, que lorsqu'il y a eu la négritude, pardon, pas la négritude, l'esclavage, par la traite des Noirs, hein, les Blancs agissaient par des Noirs. Nos propres frères. Voilà, ici, un cas concret. Tout le monde contre Laurent Gbagbo, tout le monde contre lui. Et l'opposition, et les rebelles. Il n'y a personne dans le pays pour le soutenir. Il était seul. Donc oui, la France a agi. Mais la France a agi parce qu'il y avait une fenêtre, il y avait un lézard, il y avait une fissure dont la France a frappé dans la fissure. Vous allez me dire, mais pourquoi la France, qu'est-ce qu'elle cherche et tout? Non, c'est que vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce que représente la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris ce que c'est que la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine. Même dans les pays francophones, le poids de la Côte d'Ivoire, la France sait. Elle sait. C'est pour ça qu'elle nous fatigue. Mais on est vers la fin. Deuxième élément des complices. Ah, la sous-région ouest africaine. Toute la sous-région ouest africaine. Tous les chefs d'État de la sous-région. Ils ont comploté contre le président Laurent Gbagbo. Même ceux qu'il appelait hier, il a ses propres amis, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Oh, c'est un dictateur. Parce que la France a dit que c'est un dictateur. Il est devenu infréquentable. Comme disait un autre président français, François Hollande. Soit dit en passant socialiste, soit dit-on. Donc, tous l'ont lâché. Donc, vous voyez que tous ces présidents, ils se sont réunis à Abuja. Et à l'époque, ils ont décidé d'aider la France en envoyant ECOMOG. ECOMOG, c'est-à-dire l'armée ouest africaine, l'armée de la CEDEAO, en Côte d'Ivoire. Mais très vite, moi-même, la FIDOC, avec d'autres organisations de la société civile, on a descendu à Abuja le 24 décembre 2010. On est allé déposer une plainte devant la cour de la CEDEAO, la cour de justice de la CEDEAO, pour dénoncer cette attaque de la CEDEAO à travers l'ECOMOG contre le président Laurent Gbagbo et contre la République de Côte d'Ivoire.
Évidemment, par la suite, vous allez voir qu'on a eu gain de cause. Évidemment, on a eu gain de cause. Très bien. Alors, dans la suite, j'aimerais dire que quand on a fini avec côté CDAO, mais il y a aussi l'Union africaine. Évidemment qu'il y a l'Union africaine. Parce que nous sommes allés à l'Union africaine. J'ai été à Addis Abeba également. Et je me rappelle que le 10 mars, je crois, le 10 mars 2011, il fallait que la CDAO, l'Union africaine, pardon, donne le verdict du panel des chefs d'État. Et ils ont donné le verdict du panel des chefs d'État. Et puis, enfin, derrière la France, dans ce coup d'État, il y a bien entendu, notre cher journaliste, pour terminer. Donc, derrière la France, derrière l'Union africaine, derrière la CEDEAO, il y a bien entendu l'ONU. L'ONU, dont le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le représentant de Ban Ki-moon en Côte d'Ivoire, qui s'appelait M. Yongi Choi, c'est lui, il est aussi à la base, puisqu'il a été désigné comme certificateur de l'élection de 2010. Voilà. Il faudrait mieux ne même pas le prendre en direct, parce que voilà, lorsque le prestataire se réécoute, il y a des interférences et puis la communication n'est pas fluide. Et donc, pour vous qui nous rejoignez à l'instant, vous pouvez proposer l'un de ces numéros, comme c'est le cas avec vous, Madame Alice. Bonsoir et bienvenue. Afrique, loin. Non, numéro 351. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, le peuple ivoirien. Aujourd'hui, le 11 avril, est une journée ou un jour triste pour nous, les Ivoiriens. Appel vidéo. Allez-y, madame. Appel vidéo. Allez-y, madame Alice, nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Je disais qu'aujourd'hui, bonsoir ma soeur, je disais qu'aujourd'hui est une journée ou un jour triste pour le peuple ivoirien, pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Laurent Gbagbo est le poumon des Ivoiriens. Laurent Gbagbo est notre guide. Laurent Gbagbo, il nous a ouvert les yeux. C'est grâce à Laurent Gbagbo qu'on a vu, on a compris aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'était pas un pays indépendant. Cet homme, il a fait de telle sorte que les Ivoiriens sont à guerre. On n'a peur de rien. Laurent Gbagbo, quand les Ivoiriens pleurent, ils pleurent avec nous. Quand les Ivoiriens sont en détresse, il est toujours présent. On se rappelle que Laurent Gbagbo était en Italie quand la Côte d'Ivoire était attaquée. Oui, ils ont failli le bloquer en Europe. Il a dit non, je rentre, je serai avec mon peuple. Aujourd'hui, nous sommes comme des orphelins. Allô? Nous sommes restés sans père. Oui. En fait. Nous voilà aujourd'hui perdus dans la vie. Nous sommes perdus, nous sommes complètement déboussolés. On ne sait pas avec sur qui mettre notre épaule. On n'a pas de repère, okay. On est perdu. Voilà la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ok, voilà ok, 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 tout de suite. Il nous a imposé un monsieur. Ok, 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 il n'y a pas de souci. Il vient avec sa femme. Les Ivoiriens sont en détresse avec cette histoire du coronavirus. Il a pris la poudre Il est allé s'asseoir à Sydney. Il a trahi nos frères du Nord. Aujourd'hui, du Nord, ils n'ont pas de traces. Non, ça passe, je suis en ligne. Et lui, il est allé s'asseoir à Sydney. Moi, je suis encore en ligne.
l'information oui. en train d'être si, si. C'est bon. Et ce qui est encore plus grave. C'est ce qui se passe là, c'est la Suisse. Ce sont les questions en fait. Les gens soient confinés. Pendant ce temps, lui, il continue de battre campagne. Il continue de battre campagne. Il continue de changer la constitution. Il continue de changer le code électoral. Pendant qu'il dit que les Ivoiriens doivent être confinés, pendant que les vieux doivent être confinés, mais eux, ils profitent en ce moment précis où tout le monde est perdu. Au lieu de rassurer les Ivoiriens, au lieu de distribuer les masques, les gels pour protéger les Ivoiriens, lui et sa famille sont allés s'asseoir à Assini, abandonner le peuple dans son abandonner le peuple. Et c'est lui-là qui est Ivoirien, là. Est-ce que un Ivoirien peut se comporter comme ça envers ses frères Ivoiriens? Babo Laurent peut se comporter comme ça? Même Conan Bédier ne peut pas se comporter comme ça. Dion Soro, même que je ne supporte pas, il ne peut pas se comporter comme ça. Il a même fait parvenir. Ça va? Ça se passe bien? Oui, c'est ça. D'accord. Il a même fait parvenir des gels en Côte d'Ivoire. Et le RHDP, ils ont bloqué ces gels-là pour ne pas que les Ivoiriens se soignent ou que les Ivoiriens meurent. Donc, je m'arrête là parce que je ne suis pas seule et je vous remercie. À vous, hein, Madame Alice, pour cette brève participation, ce que nous conseillez d'ailleurs à tous ceux qui appelleront également. Madame Cissé, bonsoir et bienvenue. Linda, et bonsoir à mon frère Bougain Sako, bonsoir à ma soeur Alice qui vient d'appeler, Madame Miao, et aussi la France aidée par les pays voisins, le Burkina, avec le Mali, tous les pays voisins, à des voyous, des mercenaires, des mercenaires sont venus en Côte d'Ivoire. Remercier le chef d'État légalement élu et mettre des voyous à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit retenir en gros dans ce qui s'est passé. Et depuis ça, la Côte d'Ivoire est déplanifiée. Elle est déplanifiée. Comme je dis que la Côte d'Ivoire est déplanifiée, c'est quoi? Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus droit au pays. On a arraché les terres aux Ivoiriens. On a vendu tout ce qui est patrimoine de l'État ivoirien à des étrangers. Aux Marocains, aux Français qui se font la part belle. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus de carte d'identité. Les Ivoiriens sont étrangers chez eux. Les Ivoiriens n'ont plus à manger. Sur le plan économique, c'est la faillite de l'État. Il y a des entreprises, tout le monde crie famille. On vous a dit que 90% des situations de chômage, ce qu'on n'a jamais vu, le café, aujourd'hui, est payé au plus bas. Et c'est pendant la Côte d'Ivoire qui est là. Et ça fait pitié. Nous sommes dans une misère indescriptible. Maintenant, concernant le coronavirus, je vous ai dit ce matin que, c'est-à-dire l'exemple le plus mauvais qui soit, c'est-à-dire le plus mauvais exemple qui soit, c'est l'exemple de l'État de la Côte d'Ivoire, où les dirigeants ont livré la population au coronavirus en les abandonnant à l'instant et en allant s'enfermer sur une île balnéaire. Et voilà, les médecins qui sont en grève, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de comment dirais-je, ils n'ont pas de cachemire. Et c'est ça la réalité. Et quand le ministre de la Santé sort et vient nous dire qu'on a 100 lits et 25 masques, alors qu'on dit qu'on a affaire à la cinquième puissance économique du monde, avec un taux de croissance à 10 chiffres, mais vous voyez qu'on ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire que les gens ont été floués, ceux qui croient à ce régime-là, ils ont été floués. Le régime-là, c'est pas même pour des choses, c'est pas disant même n'en veut plus. On coupe, donc, après ça, je pense qu'on va sortir de ce corona-là. Je pense que ceux-là, ils seront chassés. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver en matière de cruauté. La cruauté est allée au bout du monde. Facebook est direct. Rien à prouver en matière de cruauté. Nous avons affaire des gens qui sont venus juste s'enrichir avec l'action. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit là. Je crois qu'on va trouver cette phrase-là. Et pas assez pour nous retenir.